parce qu'il est dans le désarroi. La mort l'a visité. Et depuis, il a appris le décès de son cher papa. Il ne fait que pleurer. Peut-être vous ne voyez pas les larmes couler, mais il pleure. Et nous sommes venus, n'est-ce pas, l'aider à rendre hommage à son cher papa, Daret Jean. Le Seigneur l'a rappelé dans son royaume. Et nous sommes là pour présenter ce qu'il a fait de merveilleux durant son parcours sur cette terre. Mais avant de commencer cette sainte messe, demandons pardon pour ses manquements, demandons pardon pour nous-mêmes. Et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Lecture de la première lettre du Saint-Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'a pas le reste dans la mort. Voici, frère, dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons nous aimer. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait besoin. Thank you.
Quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu avec ce chant. Présenter Papa Jean ta quête à Dieu. Demandez au Seigneur qui est miséricordieux de l'accueillir dans son royaume, car Dieu est un Père qui accueille et qui ne regarde pas tout intérêt. Et le Seigneur dit : Celui qui est aimé, même s'il meurt, vivra éternellement. Et dans l'étude, il est dit : Celui qui aime en acte, et en vérité, les mots sont lourds. Aimer en acte et en vérité. Même s'il meurt, c'est si que celui qui a su aimer, qui a su être bien avec les autres, même s'il meurt, il connaîtra la vie éternelle. Vous savez, chers frères et sœurs, il y aura un jugement dernier. Certaines personnes qui se croient intellectuelles. Ils disent, ah non, quand on meurt ici, c'est fini. On se fout. Il y aura un jugement dernier. Et pendant ce jugement dernier, le Seigneur nous posera la question : est-ce que tu priais tous les dimanches ou bien tous les samedis ? Il dira : on est esclave. Quelque sorte, on arrive dedans, tu penses qu'il t'aime, mais non. Il fait de toi ton esclave. Parce que l'argent corrompt, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne te demandera pas, mais est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu as aimé? En amour. Fidèle quoi? En amour. En amour. Et la fidélité en amour consiste quoi, en quoi? Aimer. Hein, la fidélité en amour consiste, je veux voir, il a eu cette joie d'aimer son travail. Il a eu cette joie, n'est-ce pas, d'aimer ses enfants. Cette joie d'aimer tous ceux et celles qu'il a pu rencontrer. Évidemment, il avait ses côtés mauvais comme tous. Mais il avait cette joie. Il a partagé, n'est-ce pas, la joie de son travail avec tout le monde. Fais du bien à tous. Hein? Je ne veux pas citer, je ne veux pas. Donc, chers frères et sœurs, Papa Jean a essayé, n'est-ce pas, en sa manière, de vivre en nom. Chrétien, la pureté. On lui disait, il faudrait que le Seigneur, n'est-ce pas, purifie mon cœur, que mon cœur devienne un cœur blanc. Donc c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui savait la grandeur de Dieu, qui savait aimer Dieu, aimer le prochain. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'arrives pas à aimer ton prochain, tu n'es qu'un menteur, c'est pas le Père Aurélien qui le dit, c'est la parole de Dieu. Donc on doit essayer d'aimer tous ceux qui vivent avec nous. Évidemment, on doit avoir aussi des problèmes parce que c'est la valeur de sa vie. Amen. Les gens inspirés peuvent élever leur voix vers le ciel. Pour Papa Tacte Jean, et enfin que de par cette prière eucharistique d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse l'accompagner dans sa demeure et surtout qu'il veille sur tout. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont perdu des proches
en cette année 2016 et tout ce qui a pu affecter la communauté camerounaise ici du Benelux. Seigneur, prends pitié de nous, exauce les prières de ta famille rassemblée comme nous le célébrons. Et nous te prions aussi pour toute la famille qui est ainsi touchée. Nous savons que tu le dis très souvent, lorsque tu choisis, rien ne peut résister à ta volonté. Et comme disait un adage, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Seigneur, nous serons toujours sous ta décision et sous ta bénédiction. C'est pourquoi nous te prions ce soir d'accompagner tous ceux qui sont venus à cette Eucharistie, de pouvoir gagner leur domicile sans jeûne et sans problème. Prions le Seigneur. Et qui ont une pensée pieuse, prions le Seigneur. Regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut succès sans toi, tenant le chant d'offrande, c'est le moment d'offrande. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons chanter ta gloire. Avec un véhicule PSP 456.
et dans tes livrements, dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est le corps du Christ. Oui, c'est vrai. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est... de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Papa Taguieb Jean que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-lui d'avoir part à l'héritage des saints. Sur nous tous enfin, sur Désiré, Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, soyons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, l'unité du Saint-Esprit. Gloire pour les siècles des siècles. Le Père est. C'est pourquoi lève les mains vers le ciel pour dire la prière de tous les chrétiens. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Thank you.
agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis parti de te recevoir, mais dis ce même par mon chemin. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
demeurons dans la paix du Seigneur. Chant final. Vous voulez un chant chaud ou bien un chant chaud? Yeah.
I'm going to go to the hospital.
One day.